Coucou tout le monde, c'est Emma. Et aujourd'hui on se retrouve sur Inazuma Eleven Go de Chronostone. Alors que vous voyez, je viens de terminer un défi et pour moi ça va être le dernier défi avant longtemps. Pourquoi? Regardez bien les items que j'ai droppés. J'ai droppé le Big Star Wear. C'est quoi le Big Star Wear? Ben, c'est un uniforme. Et quelle est la particularité de ce dernier défi que j'ai fait? C'est que je vais augmenter le son du jeu un peu parce que franchement ça me casse les couilles, voilà. Alors regardez les uniformes que j'ai récupérés. J'en ai 48, non 47, excusez-moi. Sma. 49, 48, 49. Oui, j'en ai 47. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, à partir de Lagonuia, donc juste après, à partir de Aobaware, en fait ce sont tous, mais voilà, tous les uniformes, bon, avec quelques exceptions, peut-être que j'ai récupéré dans un match comme celui de la Ga5 Unimit, bon, je vais pas chercher après. En fait, ce sont tous les uniformes qui sont droppés par des teams, par des défis en fait. Et donc je me suis concentré là-dessus, ben, pour la simple et bonne raison que pour ce petit joueur-ci, j'ai besoin d'un trophée qui s'appelle Uniform Collector. Uniform Collector. Et comme vous pouvez le voir ici, dans les achievements, l'Uniform Collector, c'est le 50. Il faut en avoir 50. Et j'en ai 47 pour l'instant. Donc il m'en manque plus que 3. Ces 3-là, je vais devoir les dropper de certaines équipes, des équipes dans des défis. Mais bon, on va pas se concentrer là-dessus pour ce match-ci. Ce que je vais vous montrer, c'est surtout ceci. Ça, c'est mon dernier trophée que j'ai reçu. C'est Yume Saka Battle. Et ça veut dire quoi? J'ai fait 500 défis. Donc j'ai combiné le trophée des maillots et celui-ci pour en faire en fait qu'un seul objectif. Pourquoi je voulais avoir ce Yume Saka Battle? C'est pour avoir un autre perso. Et cet autre perso, il est visible dans cet écran-ci. Et ce sera un de mes attaquants. Nami Kawa. Pour lui, il fallait avoir, il fallait faire 500 défis. Et franchement, c'était super dur. Je vais voir si j'enregistre bien le son du micro. Oui, en effet. Et donc voilà, ça m'a pris énormément de temps, mais je suis content de l'avoir fait. Voilà. Bon, maintenant, on va partir. On va aller faire un petit match parce que c'est ça qui vous intéresse. Je pense que je vais aussi présenter un peu la team parce qu'elle a un peu évolué depuis. J'ai pas joué énormément, ça je vais vous avouer. Mais j'ai quand même un peu joué, ça c'est vrai. J'ai fait en fait que le... Depuis la dernière vidéo, j'ai fait que ça en fait. Que les défis. Donc voilà. C'était juste pour dire. Ouais, je marchais un peu n'importe comment, c'était parce que je n'étais pas en train de regarder. Alors, certains avaient aimé ça, et ben on va continuer. Avaient aimé ça dans la précédente vidéo. C'était la petite présentation de la team. Donc, Yamano Ban, regardez son Kenshin, il est déjà level 4. Franchement, au niveau Kenshin, je les entraîne super rapidement ces derniers temps, c'est juste magnifique. Donc, et Glorious Ray G4, donc ça c'est bon. Alors Arcadie, en fait, il manque plus que son Kenshin et un petit skill. Et elle sera prête pour le Mikshimax vu qu'elle est déjà level 99. Peut-être un petit boost pour son bloc, ça c'est vrai, je vais augmenter ses stats. Mais bon, voilà, vous avez compris. Zanak, il a son Kenshin. Bon, lui là, il est comme avant. Il a son Kenshin qui a énormément évolué. Je pense pas que Banshee's Rust et Screwdriver aient déjà leur niveau maximal. Avaient déjà leur niveau maximal, mais bon, voilà. Lui, j'ai utilisé pour le Treasure Hunter. Hein, donc, Treasure Hunter. Donc, plus de chances de dropper un objet. Voilà, lui, il a pas bougé non plus. Lui non plus. Bah, lui, il est nouveau, vous savez. Hein. Je lui ai donné Majin Pegasus Arc. Voilà. Et il a pas encore la remettre, malheureusement.
Otonashi a juste appris Old Elite, je pense. Lui, il a pas bougé. Lui, il a appris peut-être Shinkuma. Alors, elle, je lui ai donné Ice Ground et Inazuma Break. En fait, là, elle a déjà 4 moves de ses moves finales. Oui, finales. Fujinomai, Ice Ground, Dribble plus 20, donc c'est le skill là, et Inazuma Break. Donc voilà, je compte encore lui donner... je ne sais plus, mais c'était un skill. Je ne sais plus. Et au niveau Keshin, je vais pas vous dire ce que je vais donner. Et Olympus Harmony, je le remplacerai par une autre technique de dribble, de type vent. Parce qu'elle est de type vent. Voilà, Sachito n'a rien appris. Lui non plus, rien du tout, rien de nouveau non plus. Alors lui, en fait, pour ceux qui savent, dans la 3DS, quand on marche avec sa 3DS, on récupère des pièces par 100 pas. On récupère une pièce, bon, on est limité à 10 pièces par jour. Et en fait, dans ce jeu, dans Inazuma Eleven Go de Chronostone, il y a une sorte de loterie. Et en fait, bon, moi je mets toujours 20 pièces, c'est le plus de... Allez, on a le plus de chances de récupérer des bons objets. Et moi j'ai eu Reverse World, dans ce gacha. Bon, j'ai eu deux fois aussi catch plus 20, donc j'ai déjà donné catch plus 30 parce qu'on le trouvait dans un coffre. C'est près de la... Le coffre c'est au nouveau Inazuma, donc au Inazuma du temps moderne. Allez, du temps de Tenma, et c'est près de l'ancien local de foot, il y a un petit trésor doré. Donc voilà. Juste pour dire. Bon, Tenma. Bon, j'hésite encore entre Tenma et Bacho. Alors vous pouvez me dire. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Vous préférez que... Donc ce sera pour le Mixchimax de Jojo qui est ici. Vous préférez que Jojo ait une meilleure technique ou bien de meilleures stats? Si vous voulez qu'elle ait une meilleure technique et en l'occurrence Kazana Drive, vous mettez Tenma pour le Mixchimax. Vous dites Tenma pour le Mixchimax de Jojo. Et si vous préférez les stats, donc Basho, vous dites Basho pour le Mixchimax de trucs. Je vais faire un petit sondage. Donc si dans la description il n'y a pas le petit sondage, s'il vous plaît dans les commentaires, essayez de me le préciser. Donc voilà. C'était juste pour dire ça. Okita a pris Evolution, je sais pas si c'était depuis ou bien. Oh et puis merde, hein, voilà. Alors même Uki est... Allez, Karia aussi, son Keshin level 4, il a déjà Melody Wave au niveau maximum, Magnet Draw V4, ça a évolué assez rapidement. Donc voilà, sinon, ici rien n'a vraiment changé. Ah si, Kirino avait déjà son Keshin au level max, je pense, hein. Possible. Donc voilà, et on va combattre la team qui s'appelle Evolutions, normalement. Voilà, Evolutions. Alors comme vous voyez, j'ai déjà récupéré un shoot. Mon but aussi, c'est de récupérer un shoot. Un tir contre eux. Là, le premier tir, c'était Kodai no Kiba. On peut aussi récupérer un tir qui est bien plus puissant. Il sera utilisé pour l'un de mes Mixchimax. Pas si c'est une bonne team franchement. Attendez, je vais une fois voir comme ça. Non. Voir si on peut faire quelque chose avec. Oui, c'est bon. Et sinon, ouais, mon Treasure Hunter, j'en ai plus vraiment besoin. Du coup, je peux peut-être mettre quelqu'un qui m'intéresse plus. On va aller mettre Goenji, je pense. Ah oui, je donnais Majin Pegasus. Si jamais je dois mixchimaxer Tenma avec Jojo, je dois lui donner Majin Pegasus pour avoir une technique de dribble. Je pensais que c'était mieux. Et j'ai bien pensé, je pense. Bon. Fubuki, Fubuki, Fubuki. Ouais, non, j'ai déjà mis Goenji, c'est bon. Et Mephia, on va le déplacer. Hein. On va le mettre juste au-dessus de Kalia. Voilà. Et donc on va aller affronter les Evolutions. J'ai mis Goenji et j'ai gagné un niveau. J'avais 75 avant si je ne me trompe pas. Donc oui, encore une fois, bah, désolé, c'est une team de bas level, mais j'ai envie de faire cette team.
J'ai envie de jouer maintenant, j'ai envie de faire une vidéo maintenant, je pourrais plus le faire après, comme ça vous aurez une petite vidéo. Mais je suis désolé si c'est une équipe de merde. Alors, regardez bien cette équipe, bon, le seul joueur qu'on pourrait connaître, c'est Tobu. C'est le seul joueur qu'on connaît de cette équipe. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que le défenseur gauche de type terre a un peu la même coupe de cheveux que Goenji, donc Axel. Et Goenji s'appelle Goenji, donc avec un G, et ben lui il s'appelle Koenji, donc avec un K. Troisième chose intéressante à cette team, troisième et dernière chose, regardez l'attaquant de droite. Kane, je pense que c'est. Non, Kanu. Kanu, je pense que c'est. Regardez bien sa tête. Bon, vous le verrez jamais sur la chaîne vu que je n'ai pas Inazuma Eleven Go. Inazuma Eleven Endo no Desensu. En fait, avec Inazuma Eleven Go Endo no Desensu, on peut récupérer plusieurs joueurs en linkant. On peut récupérer Badap et Canon. Et Badap et Canon ont un best match Mikshimax. Et quand on best match quand on Mikshimax ces deux-là, donc Endo et Canon, finalement, on a la tête de Kanu. Je pense que c'est Kanu. J'en suis pas sûr. Mais bon, voilà. Vous avez l'explication du truc, du coup. Oh là, ça fait longtemps que j'ai plus joué. Un match complet comme ça. Je pense que c'est bon hein, si je le passe. Oups ! Dans le vent. Oh non. C'était moche ça. Sachito ! Va trouver bonheur dans ton machin Juno. Oh bordel, j'ai regardé cette vidéo il y a pas longtemps. Ça m'a fait rire. Sakamoto Inkuma. Sakamoto qui servira pour le Mikshimax de Nishiki. Shinkuma ne saura pas sa technique, mais bon. Oh merde. Ah et lui il a une technique. Du brin. Oh, je le passe. Oh, critical. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, j'avoue. Bon, Beast Lord. Harikte Ikoze. Ah non, ça c'était dans Inazuma Eleven 3. Harikte Ikoze. J'ai eu de la chance au niveau du critical, mais bon, faut... La chance, il faut la provoquer, comme je dis tout le temps. Bon, on va faire quoi? On va faire le Mikshimax de... Keshin, c'est bon aussi. De Sachito. Re, ok, vous m'entendez, c'est le plus important. J'ai un micro sans fil, allez, un micro casque sans
On s'enfile et bien sûr... Il fallait que la batterie soit vide. Modoré. Allez, c'est parti. Pour le tir de Sashito. C'est le même tir de Kenshin que Kontono. Non, qu'est-ce que je raconte? Je dis de la merde, moi. Que Kontono. Putain, comment il s'appelle ce Kenshin? Tenku no Shirai Shaho, le Kenshin d'Alpha. C'est la même technique. Fuck it, fuck this shit. Et lui il a un dribble, il a une défense. Du coup on va une fois utiliser Decoy et Lilith. Et Lilith. Magnifique. Easy win. GG, well play. On va passer en armette et on va utiliser Fire Tornado Double Drive. Un très bon tir. Let's Fire Tornado Double Drive 1058. Ça fait mal. Nice. Boom. Ça c'est but. Sugoya. Ouais. Il est pas il est pas moche hein, le Kenshin Armet là de Ashura. Il est pas moche, pas moche, pas moche. Et t'as un dribble toi. Ouais, Nobori. Autant entraîner de Nobori. Nobori. Je pense peut-être lui mettre Kuroshio Lide. Si j'y pense. Death Drop, non. Soshi Yusedon. Bon, on montre une fois Soshi Yusedon. Hein. Beaucoup moins puissant hein, déjà. Ouais, beaucoup moins puissant. Est-ce qu'on pourrait encore faire un petit Fire Tornado de Double Drive? Juste pour savoir. Ah, il est connecté le PD. À l'aise. Il va m'entendre. Après cette vidéo. Combien de KP j'ai? J'en ai encore 50. Parfait pour aller marquer un petit but. C'est vrai. Ah, oh, putain bordel. Allez, j'ai passé ça aussi au Mixchimax. Et regardez quand même la puissance de 652 environ pour Soshi Yusedan. Regardez toujours la puissance de Fire Tornado de Double Drive. Il a encore moins de KP, donc c'est encore moins puissant, normalement. 890. Fire Tornado de Double Drive, franchement, c'est une technique. Pour son nombre de TP, franchement, c'est super. Allez, c'est la même chose que Ojano Kiba. Zero Magnum. En vent, c'est... En plante, c'est... Kote Pingin Sango. Et en vent, c'est... Glorious Ray, justement. Le tir de Ban. Yamano. Bang. Bang. On pourrait aussi, une fois, lancer le... Kenshin Mixchimax de... De l'autre ici derrière moi. Hein. Écoutez. Mais qui c'est trans? T'as combien de GP toi à l'aise? Quand je vois que t'en as plus beaucoup,
j'utiliserai ton caching. Oh merde. Oh level up. J'ai fait un level up de Keshin en direct. C'est magnifique. Soulbringer. Magnifique. Déjà 6-0. À mon avis, ça doit pas être très intéressant pour vous, je pense. Non. Non. Tu l'as. Il a acrobat kick. Caca. Oh, merde, j'avais pas vu que... truc l'avait. Bah je te beat moi. Burning Sama, au revoir. Pas d'hors-jeu. Par contre, un peu. Pourquoi il a en une fois... Ah, parce qu'il a peut-être récupéré la balle aussi. Oh, c'est chi, Pendragon. Ah, mado. Par exemple, les techniques que j'ai dites là tantôt, donc Fire Tornado Double Drive, Code P, Manchon en point numéro 3, au niveau vent, c'était... Niveau vent, c'était... Glorious Ray, niveau terre, c'était Ojano Kiba et Zero Magnum sont... ont 10 TP de moins. 10 TP de moins. Et sont aussi puissantes que... Oh merde, ça c'est caca ça. Que la série... allez, les 5 techniques. Shell Beat Burst. Oh franchement, oh là là. Shell Beat Burst, Beast Lord, The Monsters, Vampire Lodo et Big Bang Slash. Donc niveau vent c'est The Monsters. La technique combinée de Garcha et Vamp. Beast Lord au niveau feu, donc la technique de feu de Garcha. Vampire Lodo c'est la technique, le tir terre de Vamp. Oh, ça c'était bien joué ça. Big Bang Slash, donc la technique d'Hero. Et Shell Beat Burst, bah, le tir de Saru. Hein. Aussi, en fait, j'essayais d'avoir le maximum de tirs puissants dans mon équipe. Et j'avais été voir pour Vampire Lord, c'est une technique exclusive à l'autre version là, à Raimei. Et en fait, il y a un seul joueur hors de l'équipe de exclusive à Raimei qui a Vampire Lord. Et ce joueur, en fait, bah, il n'était pas... On pouvait pas l'avoir normalement dans le jeu. Quand je dis normalement, c'est... En fait, il fallait aller au Japon, aller à un event et le récupérer sur place. Et du coup, je ne l'ai pas eu. Et sinon, il était genre super intéressant.
On va essayer de passer sans devoir utiliser le technique. Non, c'est bon, on a passé Elephant Press. Il n'a pas encore Deep Jungle, heureusement. Non, t'es pas sérieux, t'as pas fait un Chimata, sérieusement. On va avancer avec un peu avec Gamma et après on va tirer avec Garcha. Non. Ah, hey. Voilà. Beast Lord. Le pire c'est que je vais même pas lui laisser Beast Lord. Je vais lui laisser une technique qu'il apprend par lui-même. C'est ben, sa quatrième technique, quatrième et dernière. C'est con, hein. Très con. Que je réfléchisse. Qui peut encore utiliser un petit Keshin? Zana pourrait. Zanaque, je peux encore utiliser celui de Sachito, Gamma et Ban. C'est parti pour celui de lui. Ah merde. Oh merde, il a perdu. Zanak, quel con. Tu l'as. Putain. Viva Bandino Chojo, il avait. On va passer directement en Armette. On va utiliser Gamma Strike. Kosuktoshi Lobby. Amdo. Shoot commando Satin. Gamma Strike Vistri. Essaye de faire la voix. Bah, personnellement j'aime bien la voix de ces protocoles Omega là. De ces protocoles bidule machin chaud. Kimata. Mais la technique en fait que je veux dropper ferait en sorte que je doive plus qu'améliorer les stats de ce joueur pour pouvoir faire son Mixi-Max. Ouais, et bien sûr augmenter la technique quoi. Mais on a déjà vu cette technique dans cette vidéo. Donc essayez de vous souvenir de peut-être une technique que vous avez déjà vue dans cette vidéo et vous vous direz ah bah, peut-être celle-là qu'il essaye de dropper. Allez! Ah bordel, j'ai appuyé sur le bouton de Mixi Trans. Allez, j'ai appuyé, mais trop tard. Attendez. Zanaku. Oh, j'ai vu quelque chose sur Galaxy. Maintenant, les techniques armettes coûtent des KP. Je trouve ça merdique. Et apparemment, les joueurs ont aussi beaucoup moins de KP. Hors jeu, non? Ouais. Mais 10-0, c'est de la merde. J'ai marqué que 3 buts en deuxième mi-temps. Bon, on va améliorer le... On va augmenter le rythme. Moi, je dis ça, je dis rien. Oh merde, j'ai déjà 3 Keshin. Allez bon, on va attendre le Yamano Ban là. Merde. 40, si je fais 40, il me reste 126, c'est parfait quoi. Ah non. Ah, Kuroshio Light. Hein.
Voilà, ça c'est fait. A Yamanoban pour son Glorious Lei G4. Ils changent enfin de gardien, ils ont enfin la bonne idée. Oula, j'ai une barre jaune, bizarrement. Est-ce que j'ai peut-être encore un truc à évoluer à faire? Allez, tu l'as. Oui, tu l'as. Bien. Goal. Sinon Galaxy a l'air juste énorme. Il a l'air bien, il a l'air bien. Mais après je sais pas si au niveau stratégique je vais aimer les Aura et les Kenshin vu que ça a l'air d'avoir changé énormément. J'adore Chronostone niveau stratégique mais sinon je ne sais pas, je vais voir. Mais peut-être que je vais pas me mettre directement à la stratégie, j'ai vraiment envie de terminer cette équipe de Chronostone vu que j'ai longtemps bossé dessus. Et voilà. Ça va me prendre des heures mais je m'en fous. Ouais. On va une fois utiliser l'Ice Ground de Akane pour que vous voyez une fois la gueule du truc. Alors les Kenshin que j'ai pas utilisé, bon coup lui. Ouais, il n'y a que lui en fait. ...230, c'est pas mauvais hein, pour une simple technique. Voilà, c'est la fin du match. 12-0, j'espère qu'on va récupérer la technique et qu'on sera plus chanceux que dans le dernier match. Parce que dans le dernier match, j'arrivais pas à récupérer cette technique. Hein. Vraiment, j'ai pas de chance. Hein. Ah merde, j'aurais peut-être dû mettre mon Treasure Hunter. Oh merde. Allez, on croise les doigts les gens. Allez, Oja no Kiba. Allez, Oja no Kiba. Oja no Kiba. Putain de merde. Je sens que je vais faire des matchs, encore des matchs pour avoir certaines techniques. Oh là là, c'est juste horrible. Mais il n'y a pas de musique là? Ah si, c'est juste mon casque qui bug. Donc voilà, écoutez, moi je pense que c'est fini pour cet épisode-ci. Je n'ai rien d'autre à faire. Donc je sais pas s'il y aura une vidéo prochainement avec une team un peu meilleure, je ne sais pas. Je verrai bien tout ça. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous dire au revoir. Salut, bonne journée, à la prochaine. Au revoir. La 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 la.